Bonjour à toutes et à tous. Donc depuis Genève en Suisse, je suis Reda Sadki de la Fondation Apprendre et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour le lancement donc de l'appel à candidature pour le réseau scolaire Covid-19. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer de quoi il s'agit, on va vous expliquer comment ça marche et on va vous expliquer comment vous y prendre pour bien réussir votre candidature. Avec moi sont un groupe, donc, est un groupe de actuellement plus de 60 scolaires qui sont des cofondateurs de ce réseau, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé avec l'équipe de la Fondation Apprendre depuis à peu près le mois d'avril au moins pour nous aider à y voir clair comment on pouvait concrètement apporter un soutien, une aide concrète aux personnes qui sont sur le terrain, qui travaillent dans le domaine de la vaccination et qui, du coup, doivent faire face à cette pandémie. Il n'y a évidemment pas de vaccin pour le Covid-19 actuellement, qui soit connu comme étant efficace, mais tous les services de vaccination ont été frappés par une espèce de catastrophe du fait des diverses mesures, du fait des craintes, du fait de la peur. Et tous les personnels qui sont sur le front de la vaccination, eh bien, du coup, doivent faire face à ces défis. Alors, je vais me tourner vers... on va aller tout de suite vers la page donc, de présentation du réseau. Et puis, je vais me tourner donc, vers Alain Blaise, Charlotte, et ensuite Ian Steed, donc, de l'équipe de la Fondation, pour vous en dire plus. Et pendant ce temps-là, donc, je regarde vos messages depuis, pour ceux parmi vous qui sont connectés sur Facebook. Alain, comment ça va et quel est ton sentiment aujourd'hui? Bon après-midi, Reda, et bon après-midi, bonjour et bonsoir à tout le monde, à ceux-là qui se joignent à nous. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est ce que tu as si bien dit. On va dire qu'aujourd'hui, officiellement, on a lancé donc, l'appel à candidature. Pourquoi? Pour nous aider à contribuer à ce que nous faisons au quotidien, c'est-à-dire la lutte contre la COVID-19. Donc, je sais que c'est un moment très attendu, qui a été très attendu. Merci aux cofondateurs, aux co-auteurs, ceux-là qui ont travaillé sur tous les outils, hein, parce qu'il s'agissait de s'assurer que les outils sont bien montés, ils sont bien, ils vont vraiment nous servir comme on veut. Donc, moi, je profite de l'opportunité déjà pour remercier une fois de plus ceux-là qui étaient les cofondateurs. Et mais j'invite surtout, alors ça, c'est ce qui est le plus important, Reda, on l'a fait ensemble pour vous, mais pas uniquement pour nous. J'appelle pour nous la communauté, ceux qui sont présents ici. On l'a fait aussi, en fait, pour tous les professionnels, pour que de façon équitable, on profite tous du réseau, de cet environnement qu'on appelle le réseau scolaire COVID-19. Il s'agira de voir qui parmi vous a partagé le plus à des professionnels de la santé qui travaillent dans le COVID-19, contre la COVID-19. Donc, on ne va pas garder ça pour nous. On l'a fait ensemble, on l'a fait pour tout le monde. On l'a fait pour tous les francophones, tous ceux-là qui, dans leur travail quotidien, travaillent pour la réponse contre la COVID-19. Partageons. Moi, je vais inviter, on sait le faire dans la communauté scolaire. Nous, on sait partager et apprendre. Maintenant, il s'agira de voir comment on peut partager le plus possible cette annonce pour vraiment faire profiter. C'est pas, la candidature n'est pas limitative. Ne craignez pas pour votre place. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut vraiment qu'on fasse profiter tous nos collègues. Merci, Reda. Ce que je vais dire, je suis aussi impatient de participer à cette rencontre et activement écouter les autres pour voir ce qu'ils peuvent apporter. Merci Alain. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Alain Blastatsinkou, il est infatigable. Il travaille jour et nuit pour garder le contact avec vous, avec toutes les personnes qui participent à ce réseau. Et depuis 2018, avec les membres du réseau scolaire plus généralement. Alors il y a maintenant 88 des personnes qui ont contribué à créer, à lancer ce réseau. Et après avoir entendu donc un premier message donc des membres de l'équipe qui a travaillé avec eux, eh bien on va vous donner la parole pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas encore ce réseau en quoi cela consiste, qu'est-ce que cela peut apporter, quelle est la démarche à laquelle vous avez participé pour mettre en place quelque chose de novateur. Charlotte Mbou, comment ça va et quel est ton sentiment aujourd'hui? Ça va bien, Reda, merci pour la parole. Et vraiment, c'est un sentiment de joie, d'excitation pour moi parce que c'est d'une manière l'aboutissement de
beaucoup de jours, d'heures de travail, d'investissement de tous ces collègues, ces pairs qui sont avec nous aujourd'hui, qui ont participé à mettre en place ce réseau scolaire COVID-19 ensemble. Et comme Alain Blaise l'a si bien dit, nous sommes fiers du produit et vous pouvez être fiers aussi de ce que vous avez fait. Et si aujourd'hui, et moi je pense que même en partageant cette annonce avec les collègues, vous pouvez même dire que nous, on a participé à le mettre en place. Nous, on a contribué. Nos idées, les idées que vous voyez ne viennent pas d'ailleurs, mais ça vient de nos expériences au quotidien. Donc, je pense que c'est tellement important. On ne peut pas garder cette information pour nous-mêmes. C'est important pour nous de la partager à tout le monde, surtout à ceux qui sont impliqués directement dans la lutte contre la COVID-19. Et donc, j'ai hâte. Et on commence à voir déjà les candidatures se poser. À chaque minute, à chaque instant, je suis en ligne, ma minute. C'est en train de changer et nous voulons vraiment dire merci déjà que les autres à continuer à faire pareil. On a hâte de vouloir vraiment lancer ce réseau et nous pensons que vraiment avec vous et avec tout le monde, on va pouvoir avoir des résultats palpables en ce qui concerne déjà la réponse à la COVID-19 et aussi l'amélioration des activités de vaccination face à cette pandémie. Merci beaucoup, Reda, et je pense que je pourrais venir tout à l'heure, mais j'ai surtout hâte à écouter les pères, les scolaires et Tout qui à sont fait. dans la salle aujourd'hui. Merci. Alors, merci Charlotte. Je parcours la page, j'ai parcouru la page Facebook où vous êtes nombreux, donc déjà, d'ores et déjà, à nous laisser des messages. Je vais essayer de les récapituler donc, pour vous saluer chaleureusement et vous souhaiter bienvenue. Donc, on expérimente avec toutes ces nouvelles technologies pour trouver quels sont les meilleurs moyens pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour tisser des liens authentiques entre nous. Donc, un grand bonjour à Papy Katabuka qui dit merci pour cette plateforme encore. Nous serons heureux d'approfondir nos connaissances. Tivan Makip, ça, je voulais revenir sur ces commentaires justement pour lire son commentaire qui dit Salut Alain, et oui, comme Reda vient de le dire, Alain est une machine infatigable dans la supervision et l'orientation. Coup de chapeau. Christian Nbaya, donc, qui nous salue depuis Yaoundé au Cameroun. Et si vous êtes donc connecté sur Facebook, n'hésitez pas à nous dire hein, à partir la ville et bien sûr le pays à partir desquels vous êtes connecté. Donc bonjour également à Nathalie Kundi Bouanga. Et je tiens à vous dire, alors ce qui est remarquable, c'est qu'on a lancé donc l'invitation, l'appel aux candidatures. Le premier message est parti ce matin à 7 h pour les francophones. Et en gros, 6 heures plus tard, nous avons déjà plus de 1 000 candidatures. Donc les candidatures affluent. N'ayez crainte, je crois que soit Charlotte, soit Alain l'a dit, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de candidatures que vos chances sont amoindries ou que vous devez vous décourager ou vous dire que ce n'est pas possible. Par contre, ce que je tiens à souligner, c'est qu'il y a quand même une candidature, un dossier de candidature conséquent. Je vais peut-être me tourner vers un ou une des fondateurs ou fondatrices du réseau scolaire COVID-19 qui, eux aussi, nous ont aidés à tester ce formulaire de candidature. Donc, j'aimerais bien vous demander si vous voulez bien lever la main et on va tester quelque chose d'inédit. En attendant que des volontaires, donc, ok, c'est déjà fait, d'accord. Voici. Alors, on va aller vers Joël. Joël Flormacam. Bonjour, Joël. Bonjour, Eda. Ok. Et Allô? bienvenue. On entend quelque chose en fond. Je ne sais pas si c'est possible de Allô? diminuer le volume. Oui. Voilà, Oui, ok. oui. Donc, Bonjour. bienvenue. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer pour les candidats qui découvrent cette initiative, donc qui viennent de recevoir dans leur boîte mail l'invitation à déposer leur candidature, il y a un dossier assez touffu. Quelle en a été votre expérience? Et puis, est-ce que vous encourageriez ou non les candidats à y aller quand même si ça peut prendre un petit peu de temps? Merci Reda de la question. Je pense que pour moi, j'encouragerais les candidats à y aller puisque
c'est les questions posées, c'est des questions qu'on c'est le travail au quotidien. Au premier abord, c'est difficile parce que peut-être il y a des questions qui nécessitent beaucoup de recherche, mais c'est le travail au quotidien. Donc, moi, personnellement, comme j'ai eu à tester le questionnaire, je me disais un peu le contenu, mais j'encouragerais les candidats à s'inscrire parce que ça nous permet de voir exactement ce qu'on fait au quotidien. Parce qu'il y a des moments où on travaille, mais on ne sait même pas ce qu'on fait au quotidien. Et moi, ça m'a permis de revoir et de mieux planifier et puis de voir exactement ce que je fais au quotidien. Donc, j'encouragerai vivement les candidats à s'inscrire. Merci. Merci beaucoup, Joël. Et vous voyez donc les messages postés sur Facebook. Nous les partageons. J'essaye de suivre, mais il y en a beaucoup. Donc, je vous remercie pour votre enthousiasme. Et puis, pour revenir donc à la présentation du réseau, merci, Joël, pour cette première explication. Donc, vous vous rendez sur la page. Donc, on va partager le lien sur Facebook. Tiens, d'ailleurs, je vais le mettre tout de suite pour ceux qui n'ont pas encore pu y accéder. Donc, pour constituer votre dossier de candidature, c'est ici. Voilà. Alors, prenez le temps, faites-le de préférence depuis un PC, depuis votre bureau, depuis votre téléphone, ça va être un peu difficile. Et puis, il vous reste 14 jours. Donc, le compte à rebours a commencé. Il y a déjà plus de 1000 candidats et nous allons sélectionner les candidats au fur et à mesure. Donc, il est important de ne pas tarder. Joël, est-ce que vous souhaiteriez rajouter quelque chose sur quel est le sens? Pourquoi est-ce que formation après formation, ce n'est pas, vous êtes une scolaire parmi les plus chevronnées. Qu'est-ce qui vous fait revenir? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans l'expérience scolaire? Première question. Pour moi, l'expérience scolaire, c'est une expérience qu'on n'a pas pu avoir depuis beaucoup d'années et qui nous manquait parce que c'est une plateforme de partage. Déjà, j'ai beaucoup appris en étant dans cette plateforme. Il y a des choses que j'ai pu apprendre à travers les autres scolaires. Et il y a des choses que j'ai pu partager également. J'ai pu aider certains qui m'ont par la suite dit oui, qui ne sont pas de mon pays. Et ça fait plaisir de savoir qu'on peut être assis chez soi et travailler avec le monde entier, les gens qu'on ne connaisse pas et qui vous remercient par la suite. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de difficultés quand je suis arrivée ici en Haïti parce que c'était un autre contexte que le Cameroun, dans le pays dans lequel j'ai beaucoup travaillé. Dans la vaccination, 9 ans. Donc, j'ai appris autre chose. Les scolaires m'ont épaulé, tant bien que mal, mais j'ai beaucoup appris. Alain, vous-même, beaucoup d'autres gens, même, qui m'ont appris des choses que je n'aurais pas pu recevoir en peu de temps. J'ai appris beaucoup de choses. Donc, ça, c'est je peux, même s'il y a 10 cours, je vais m'inscrire, même si ce n'est pas assez de temps, je vais m'inscrire, mais je vais avoir quand même du temps pour y revenir, parce que c'est une richesse, cette plateforme. Donc, j'encouragerais les gens à y accéder et à voir si les gens ont des difficultés, qu'ils ne restent pas silencieux, qu'ils disent qu'ils ont des difficultés. On peut les aider à mieux comprendre la plateforme. Merci. Merci Joël. Et comment est-ce que vous êtes actuellement impliqué? Donc, comment est-ce que vous êtes concerné par cette, à cause ou avec cette pandémie de la COVID? Actuellement, ce qui se passe ici en Haïti, c'est, je sais, oui, on a au départ, ici c'est plus compliqué parce qu'au départ, la communication a été un peu, je ne sais pas où. Il n'y avait pas une bonne communication. On a dit aux gens de rester chez soi, de rester chez eux. Et les activités de vaccination, à un moment donné, se sont arrêtées. Donc, les parents avaient peur d'aller dans les formations sanitaires. Les parents ne pouvaient plus accéder. Le personnel médical avait déserté les formations sanitaires. Donc, il fallait revenir avec d'autres informations, rassurer les parents, contacter des partenariats avec une plateforme des associations pour aller sur le terrain, sensibiliser, rechercher les perdus de vue. C'est un long processus qui est en cours
Et actuellement, nous sommes en train d'élaborer une planification nationale pour la relance du PEV au niveau national. Donc, c'est ça qui nous préoccupe actuellement et on a réuni tout à l'heure pour finaliser le document. Et peut-être dans les prochains jours, en août, parce qu'on aimerait mettre le plan en œuvre à partir du mois d'août pour commencer effectivement. Mais les autres associations travaillent déjà. On a des données, on a des enfants qu'on a retrouvés dans les communautés pour la recherche des pères, pour le rattrapage. Et on les réfère dans les formations sanitaires. Il y a du vaccin dans les formations sanitaires, mais il n'y a pas les parents qui demandent la vaccination. Donc, on est en train de préparer un rattrapage qu'on fera d'ici le mois d'août. Merci Joël. Et il y a effectivement déjà, d'ores et déjà, avec plus de 1000 candidatures, mais il y a déjà donc les fondateurs, ceux qui ont construit le réseau avec nous, donc avec la Fondation Apprendre Genève, qui travaillent déjà au sein du réseau. Il y a eu notamment, vous voyez à l'écran, donc en quoi le moteur d'idée peut-il m'être utile ? Et le moteur d'idée est donc une composante très très importante du réseau Covid-19 scolaire. On s'est rendu compte qu'avec les événements comme celui-ci, on pouvait avoir là actuellement, il y a 120 des fondateurs du réseau qui sont dans la salle. Or, au mieux, nous allons pouvoir sur les 44 minutes qui nous restent, au mieux entendre 3, 4, 5 sur les 122 fondateurs qui sont ici. Et c'est regrettable. Et du coup, on s'est posé la question, comment construire, concevoir d'un outil qui permettrait le partage d'expériences, mais à l'échelle. Donc où chacun pourrait contribuer ses idées, son expérience, et après on pourrait ensuite faire le tri. Il y a des idées qui sont meilleures ou plus précises, ou plus détaillées, ou plus pertinentes que les autres. Et du coup, vous voyez ici donc un aperçu de l'écran, mais pour la première fois, nous allons partager avec des personnes donc à l'extérieur du groupe des fondateurs qui a aidé à la construction de ce réseau, donc à quoi ressemble ce moteur à idées. Donc l'unique façon d'accéder à cet outil, c'est donc de rejoindre le réseau. Alors je vois qu'il y a peut-être des tests qui sont en cours, mais on va aller sur les idées. Donc il y a 3 défis et puis je crois qu'on peut sélectionner donc uniquement les idées en français, même si elles sont traduites dans les 2 sens. Donc là, vous voyez, on a fait un pilote avec environ 300 participants et vous voyez ici qu'il y a des idées qui défilent. Elles sont en nombre important. Vous voyez que certaines idées ont recueilli un nombre important de votes, ont été vus plus que d'autres. Et l'intérêt de ce moteur, c'est donc non seulement de contribuer vos idées, mais lorsque vous êtes confronté à un problème lié au Covid, donc par exemple la baisse de la fréquentation par les mères ou les autres parents qui n'osent plus emmener leurs enfants, eh bien vous pouvez aller puiser dans le moteur pour voir ce qui s'y trouve, le parcourir, faire des recherches et extraire peut-être une idée que quelqu'un dans un autre pays, quelque part, a eue qui sera pertinente pour vous. En tout cas, c'est le principe à voir à l'application si ça marche bel et bien comme ça. Alors, je vois, il y avait une autre personne qui a malheureusement baissé sa main. Je voulais interroger. Donc, je vais de nouveau. Donc, pour expliquer, on sait qui sont les personnes donc, qui ont contribué au moteur. Vous voyez leur nom ici. Et du coup, par exemple, Abdou Ingouda, vous avez contribué une idée. Je vais donc ouvrir votre micro et puis vous demander donc de prendre la parole pour nous expliquer. Ou Tivan Mandekipoubila, voilà, pour nous dire qu'est-ce que c'est que ce moteur à idées. À vous de l'expliquer. Vous êtes sur le terrain et en principe, il s'agit d'un outil conçu pour être utile. Vous avez contribué au moins une idée ou une expérience que vous avez partagée. Vous avez peut-être aussi parcouru le moteur. Donc, il serait important d'entendre de vive voix quelle utilité vous avez pu en tirer. OK, alors ce qu'on va faire, on va mettre de la musique le temps que les uns et les autres... Voilà. Oh, ah, voilà. T'appelles ton enfant, il mange. Après, tu dis pas, mais voilà. Alors, Tivan Mandekipoubila, vous avez déposé donc au moins une idée. On va d'ailleurs aller la chercher. Donc, ce n'est pas pour discuter de votre idée. C'est simplement pour nous expliquer, d'ailleurs, pour nous expliquer comment
Qu'est-ce que c'est que ce moteur AID? Est-ce que vous pouvez expliquer le concept pour vos confrères et consoeurs qui sont déjà candidates au réseau scolaire ou qui vont décider de déposer, constituer leur dossier de candidature? Le moteur AID, qu'est-ce que c'est? Bonjour tout le monde. Bonjour Reda, bonjour Alain, bonjour Charlotte et bonjour à tout le scolaire. Salut. Pour moi, je crois que le moteur AID est une façon de partager la santé, l'éducation sanitaire d'une autre façon, non seulement de la façon qu'on peut les concevoir localement, mais au niveau international. Pour moi, ce qui m'a boosté d'y aller, de ne pas abandonner, de donner mon idée aussi petite que pouvait paraître, c'est depuis la formation de niveau 1 qu'on avait eue. La formation des pairs nous a tellement aidé que la participation de tout un chacun, il y a des gens qui étaient chaleureux, il y a de ceux-là qui étaient froids, il y a de ceux-là qui ne participaient presque pas, mais nous sommes rendus compte que chaque fois qu'une personne pouvait dire quelque chose sur ce que tu pouvais penser, avoir bien ou mal écrit, nous amenait à concevoir les choses non selon soi-même, mais selon lui et aussi selon tout le monde. Et voilà que cette même politique a été carrément presque appliquée dans le moteur AID où on nous demande de venir avec une idée. Heureusement que psychologiquement, très d'encourager tout le monde de ne pas négliger. Elle peut être petite comme vous le voyez ou grande, mais au moins de la soumettre, cette idée. Cette idée peut être importante au moment où il y a une personne quelque part qui pourrait la prendre, soit intervenir pour vous dire ce que vous n'avez pas mentionné ou vous la faire voir d'une autre façon, c'est-à-dire le moteur recherche nous devenons comme des transformers. Je crois qu'il y a des spies qui suivent le film, excusez-moi, mais vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à vous corriger, vous apprenez à aider les autres. Et je crois que demain ou après-demain, tout le responsable ou bien tous les agents de santé, tous les agents de vaccination partout dans le monde et qui seront dans le moteur de recherche parviendront facilement à résoudre leurs problèmes en soumettant ce qui leur arrive sur le terrain. Et pour moi, c'est quelque chose de fabuleux que j'ai découvert. Et j'ai dit merci pour cela qui vient d'arriver. Je vous encourage d'écouter parce que ce que vous allez découvrir, vous ne saurez plus quitter. Merci beaucoup. Merci Thivan. Alors, il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer, notamment Asta Monglo. Asta. Alors, je fais la demande. Je vais peut-être enfin pouvoir tester mon... Donc, l'idée, c'est comment... Il y a toujours un petit décalage. Le temps que chacun lève la main pour prendre la parole, eh bien, c'est de faire ça en musique, le temps que... Voilà, le temps que quelqu'un se manifeste. Allô? Oui, bonjour Asta Monglo. Allô? Comment ça va? Asta Allô? Monglo, bonjour. Oui, Asta, est-ce que vous m'entendez? Ah, non. Allô, vous m'entendez? Oui, moi je vous reçois 5 sur 5. Ok, je n'ai pas très bien suivi, j'ai des soucis de connexion, je suis sur le téléphone. Je ne sais pas si vous pouvez rappeler la question, je ne sais oui, pas. La question est simple, est-ce que vous avez donc testé le moteur AID et qu'est-ce que ce moteur vous a apporté? Oui, j'ai testé le moteur AID. Déjà, l'une des choses qu'on peut dire que de très important, c'est de voir l'enthousiasme et surtout les idées qui viennent des collègues. Et parfois, c'est des choses auxquelles on n'avait pas toujours pensé. C'est vrai que je n'ai pas commenté, mais j'ai été impressionnée par non seulement le nombre d'idées et la pertinence de ces idées et les possibilités qu'on pourrait avoir pour améliorer la situation face au COVID. Donc, c'est un peu ça qui m'a le plus impressionné, parce que parfois, c'est des choses simples auxquelles on n'a pas toujours pensé. Et je crois que ce moteur AID là est vraiment bienvenu pour nous permettre d'améliorer la situation de la vaccination qui a vraiment
eu du plomb dans l'aile à cause de cette pandémie. On espère qu'à terme, vraiment, on pourrait agir en tenant compte de cette épidémie, mais en ne laissant pas nos activités ou nos prestations de vaccination. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Asta Monglo. Donc, effectivement, c'est le but du moteur d'idées, c'est donc d'accéder rapidement. D'habitude, dans le quotidien, vous allez dépendre des idées de vos collègues les plus proches. Évidemment, il y a Internet, donc on est dans un monde connecté, mais faire le tri hein, du vrai, du faux, des bonnes idées, des moins bonnes idées, des idées valables ou non, des idées conformes, en accord avec le plan de votre ministère ou des recommandations de l'OMS, comment faire le tri? Donc on s'est posé cette question et on s'est rendu compte qu'on pouvait donc créer, dans le cadre du réseau scolaire, cette composante qui permet d'échanger les idées au-delà des frontières et au lieu de dépendre sur vos collègues les plus proches, sur les ressources que vous pouvez trouver par ailleurs, et bien d'être connecté avec des centaines, voire des milliers, puisqu'il y a déjà plus de 1000 candidats qui ont déposé leur candidature, ne serait-ce qu'aujourd'hui, donc depuis 7 heures ce matin, heure de Genève, et bien de tout d'un coup bénéficier des idées de toutes ces personnes et de les mutualiser et d'avoir un système qui permet de faire le tri jusqu'à un certain point. Après, la responsabilité, la vôtre, reste entière pour départager les choses. Une idée qui marche dans un endroit ne va pas forcément marcher chez vous. Donc ce sera à vous de faire ce travail de réflexion, mais ce travail de réflexion, vous ne le ferez pas tout seul. C'est là où je vais me tourner vers François Gasse. Donc le docteur François Gasse est connu sous le nom de docteur anti-tétanos. Je vais dire, c'est peu dire qu'il a une très grande expérience et ainsi qu'une expertise dans le domaine de la vaccination, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. François, est-ce que tu pourrais nous dire si tu es en mesure de prendre la parole? Le moteur ID, ce n'est pas la panacée, mais en quoi est-ce que tu perçois un potentiel, une utilité pour cet outil, comme une des composantes du réseau? Je pense que c'est des idées mises en œuvre qui font la différence. Et l'important, c'est d'essayer, parce que c'est difficile de savoir à l'avance si l'idée va marcher ou pas. Et bien sûr, quand on est seul face à son écran, on a des idées face à son expérience, mais quand on partage des idées avec d'autres personnes, on est confronté à des nouvelles idées, des façons de penser, comme le disait Joël, je crois, ou quelqu'un d'autre, c'est des choses auxquelles on n'a pas pensé et qui pourraient marcher là où on est et là où on est responsable. Donc, à mon avis, ce partage d'idées entre, donc on pourrait dire presque 1000 personnes déjà, c'est une foison d'idées où on va sans doute chacun trouver quelque chose qui peut peut-être s'appliquer à son propre pays. Mais je pense que l'important sur ces idées, c'est qu'elles soient très claires, très spécifiques, que ce soit des idées d'action et que ce ne soient pas des idées générales et qui permettent aux personnes qui les lisent, qui sont intéressées par l'idée, de voir exactement qui fait quoi et comment en pratique pour mettre en œuvre l'idée. Ça, c'est très important parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de générateurs d'idées que d'implémentateurs d'idées, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, il est très important que les gens qui ont des idées les mettent avec la manière la plus précise possible et précise à quoi ils répondent avec cette idée. Quel est le contexte qui leur a fait émettre cette idée qui pourrait améliorer la situation de la vaccination dans le contexte Covid? Et ça peut être, alors ce n'est pas une seule idée qui va faire la différence, mais peut-être deux ou trois idées mises en œuvre peuvent faire une grande différence, même si ça ne fait pas toute la différence. Donc ce partage de toutes les expériences va être très, très utile, je pense. Merci, Reda. Merci beaucoup, François Gasse. Alors, j'aimerais me tourner cette fois-ci, les connecter 4 fois. Donc, j'espère qu'il y a au moins une connexion qui fonctionne bien. C'est le docteur Franck-Hilaire Bété, donc ancien directeur du PEV du Bénin. Actuellement, aux dernières nouvelles, il était responsable opérationnel pour la riposte au Covid de son pays. Franck-Hilaire Bété, est-ce que vous êtes en mesure de nous parler, nous faire peut-être un bref point de situation et puis surtout nous dire pourquoi, en quoi, pour vous, cette initiative du réseau scolaire Covid-19 à laquelle vous avez contribué peut être un outil utile et pertinent pour aussi bien des directeurs du PEV ou pourquoi pas des personnes qui sont directement impliquées dans la riposte Covid mais qui sont forcément confrontées aux questions liées à la vaccination. Franck-Hilaire Bété, est-ce qu'il y a un de vos micros qui fonctionne?
Ok, je vais conclure que non, malheureusement, pour l'instant. On va revenir vers vous. N'hésitez pas à activer votre micro dès que vous avez réglé votre problème technique. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur ce message. Oui, Franck, bonjour et bienvenue. Oui, bon, comme vous le constatez, j'ai de grosses difficultés de connexion en ce moment. Mais je vais y aller rapidement avant que cela ne coupe encore une autre fois. Et donc, je pense que le réseau qui est en train d'être mis en place va être d'un soutien très important pour les chocolats des différents pays. Mais ce qui, pour moi, est le plus déterminant, c'est la connexion qu'il doit y avoir forcément entre ces réseaux qui se mettent en place et avec les responsables pays donc du programme élargi de vaccination. Une chose est d'avoir une très bonne idée, mais l'autre part de manche, c'est d'abord de pouvoir la décrire de façon correcte, accessible à tous, de pouvoir la partager donc, avec le plus grand nombre possible d'acteurs autour de soi et de faire adopter donc, ce projet-là par les responsables du PEV du pays. Parce que implémenter une idée quelque part dans son coin sans pouvoir faire profiter tout le reste du pays, impliquer le programme, ce serait, à mon sens, gaspiller de l'énergie pour pas grand-chose. Donc voilà ce que je voudrais dire et je pense que notre challenge, c'est de faire en sorte effectivement que nos ministères de la Santé et les programmes soient vraiment impliqués dans tout ce que nous mettons en place. À vous. Merci beaucoup, Franck Hilaire-Bété. Effectivement, ces contacts au sein du pays sont menés par les scolaires eux-mêmes dans la plupart des cas, mais ont besoin du soutien des responsables au niveau central, des personnes qui peuvent intervenir pour faire comprendre cette démarche de mutualisation des expériences et de l'expertise. Donc je suis très content de voir le message de Paul Amela qui dit « Bonjour à toutes et à tous, très ravi de participer à ce réseau qui va beaucoup nous aider au moment où nos couvertures vaccinales sont en chute. » Alors Paul Amela, attention, je ne sais pas, peut-être vous êtes un des fondateurs et du coup vous faites déjà partie du réseau, mais sinon je vous renvoie donc à la procédure de candidature. Donc, ils seront acceptés jusqu'au 28 juillet. Si vous n'avez pas encore déposé votre candidature, faites-le au plus vite. Nous traitons donc les candidatures reçues au fur et à mesure. Vous voyez qu'il y a donc beaucoup de questions sur le formulaire de candidature, mais c'est parce que nous procédons à un véritable recueil de données avec cette avec le formulaire de candidature pour nous renseigner déjà, nous apporter des informations précieuses sur les situations dans différents pays. Donc prenez votre temps pour constituer une candidature de qualité, si ce n'est pas déjà fait, Paul Amela, et on a hâte de vous retrouver donc pour participer à ce réseau, si bien sûr votre candidature correspond aux, voilà, aux critères, aux caractéristiques du réseau. Bonjour à Mimi Mouika, donc il s'agit de personnes qui nous suivent sur Facebook. Nous sommes ici en fait dans une salle Zoom avec 145 des fondateurs du réseau, donc des fondateurs francophones, il y a également des fondateurs anglophones. Ces fondateurs nous ont aidés semaine après semaine, nous avons construit ensemble ce dispositif que nous lançons publiquement aujourd'hui avec cet appel à candidature. Bonjour également à Jules Lofondo et Olivier Ebongo. Donc vous voyez, tous les pays sont représentés. On a commencé, la première personne qui a pris la parole, Joël Flormacam, est elle-même en Haïti et il y a des personnes donc de tous les pays francophones. Njarasoa Ravofidi du Madagascar, bienvenue à vous. Johnny Kamuleta, pareil. Alors Luc a tweeté, alors nous remercie. Jim Tola, Jim Tebaï, donc depuis Gundi au sud du Tchad. Vous voyez, Valérie Muzimba, donc qui remercie François Gass et Franck Hilaire-Bété de leurs interventions vraiment pertinentes, dit-elle. Merci Valérie, à vous pour votre participation. Et Joël Houlbert, qui est lui-même donc team leader donc, des scolaires, des anciens scolaires, donc qui ont complété une ou plusieurs formations proposées autour de la vaccination
et qui a réussi à fédérer les scolaires de son pays pour aujourd'hui contribuer à la riposte au Covid, en tout cas en ce qui concerne les services de vaccination. Didier Mouzengo de Kinshasa également. Julien Touba également de la RDC. On ne sait pas, Julien, de quelle ville vous êtes, mais voilà un petit peu pour vous donner un petit aperçu. Il y a parmi les personnes qui ont, dont j'ai lu les commentaires, des gens qui sont déjà, qui ont aidé à créer le réseau, et d'autres qui peut-être viennent tout juste de poster leur candidature. Je vais me tourner vers Manzame et Sokola, et puis je vais vous dévoiler donc les questions que nous avons pour les fondateurs aujourd'hui. Manzama et Sokola, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes en mesure de nous parler? Manzama et Sokola, c'est à vous. Ok, sinon on va... Alors on va passer, on va utiliser mon dispositif avec un petit peu de... Ok, c'est bon. Oui. Ah. Ok. Voilà, vous avez un problème classique, Manzama, c'est ce qu'on appelle un feedback ou un retour. Alors, ce qu'on va faire, on va recueillir donc d'autres prises de parole, mais on va le faire avec un petit peu de musique d'abord pour vous laisser prendre en considération toutes ces questions. Et puis, donc, on est ici pour parler du lancement, l'appel à candidature au réseau scolaire Covid-19. Restez avec nous, ne bougez pas. Les fondateurs qui sont dans la salle, levez donc la main si vous êtes prêts à répondre aux questions que j'ai affichées à l'écran. Je vais aussi les poster dans le chat, comme ça, ça vous laissera le temps de composer vos réponses. Et puis, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, ne quittez pas. On revient tout de suite, simplement une petite pause musicale. Alors, ils sont trois des cofondateurs du réseau Covid-19 et le coq crie pour le lancement du réseau. Manzama et Sokola, est-ce que vous avez réglé votre problème de feedback cette fois-ci? Je pense. Bonsoir, Reda. On vous écoute. Bonsoir à tous les membres du réseau. Je voudrais juste vous dire combien je suis content de faire partie de ce réseau. Parce que ce n'est pas facile, parce que des idées comme ça, souvent ça s'achète. Et je pense que quand on est dans un réseau comme ce réseau-là, on doit vraiment dire merci parce qu'on a les compétences, on a les idées pour aller. Moi, j'ai rejoint le réseau parce que je suis dans la communication pour le changement de comportement et surtout sur les questions de vaccination. Et donc, je suis coordinateur d'une plateforme nationale de la société civile qui travaille, qui appuie le ministère de la Santé du Togo sur la mobilisation sociale au niveau communautaire pour créer la demande des services de vaccination. Et donc, depuis l'arrivée du COVID, vous savez tous que COVID a eu vraiment une grande répercussion sur la fréquentation des formations sanitaires. Et donc, les mamans, que ce soit les mamans ou les enfants, ne vont plus par peur d'être infectés ou à cause des rumeurs pour partir. Donc, pour nous, c'est en même temps de voir, nous pensions qu'en intégrant le réseau, on va pouvoir mutualiser nos efforts avec ce que les idées que les autres personnes ont, afin que nous puissions vraiment lever le défi. Et je pense que le défi est grand. Comme l'a dit Paul Amela, c'est un collègue du Togo, nous avons des collectifs vaccinales qui descendent, qui sont en train de descendre, donc il faudrait vraiment trouver des stratégies pour communiquer. Mais moi, le moteur à idées qu'on a aujourd'hui sur ce réseau me plaît beaucoup parce que
Non seulement, ce n'est pas juste des idées, mais c'est des choses, moi j'appelais ça des stratégies qui sont là. Les gens expliquent et vous disent comment est-ce qu'ils ont petit à petit mis en place leur idée et ce qui a permis que ça marche ou ça marche. Et donc, ça nous permet de suivre petit à petit leurs conseils et de pouvoir faire comme chez nous. Et puis de deux, je suis content parce que on ne pense, tu as l'impression que tu n'es pas le seul à penser qu'on peut utiliser telle ou telle stratégie pour aller de l'avant. Et donc, ça veut dire que toi, tu te dis que bon, ça veut dire que ce que tu fais chez toi aussi a marché quelque part, donc c'est une bonne chose. Donc voilà un peu aujourd'hui, en tant que membre de ce réseau, je nous félicite et je me félicite vraiment de tout ce que je peux apprendre des autres, mais aussi de tout ce que je peux partager avec les autres. Merci Manzama et Sokola. Alors, on va passer à Hortense Makonga. Hortense, soyez la bienvenue. Quel est votre propos aujourd'hui? Qu'est-ce que vous souhaitez dire à toutes les personnes donc, qui sont déjà plus de 1000 candidats pour rejoindre le réseau Covid-19? Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire, étant donné que vous faites partie de ceux et celles qui ont contribué à fonder ce réseau? Merci. Bonjour à tous. Je suis là parce que j'aimerais aussi contribuer et apprendre des autres. Je les encourage à être là, puisque ici, nous apprenons et puis nous partageons les peu que nous avions. Et puis nous discutons, on est ensemble, puisque ce réseau nous permet d'être en contact avec les autres pairs, de partager nos expériences et puis d'apprendre aussi des autres. Puisque le moteur d'idées que nous avions eu à faire, j'ai eu à apprendre beaucoup. Puisque quand j'ai eu à partager, il y a des idées qu'on m'a suggérées, il y a d'autres que j'ai eu en lisant les différentes idées que les autres ont eu à partager, alors ça a beaucoup apporté chez moi. Alors, je demanderai aux autres aussi de prendre courage, puisqu'il y en a de ceux-là, j'ai même à encourager en remplissant tout simplement le formulaire, là, ils étaient fatigués. Alors, je les ai encouragés à avancer, à continuer, puisque au finish, vous aurez beaucoup à apprendre de ces plateformes qui sont très riches, puisqu'on ne connaît pas tout. L'union fait la force, c'est pourquoi nous sommes là tous pour atteindre l'objectif, puisque le COVID nous a séparés, le COVID nous a enfermés, le COVID a fait ce qu'il y a eu. Mais ensemble, nous aurons des idées pour avancer de l'avant. C'est peut-être par rapport à la question que vous m'aviez posée, je ne sais pas. Merci beaucoup Hortense. Je vais juste demander aux autres intervenants, lorsque vous n'intervenez pas, merci de couper votre micro, comme ça, ça sera plus facile pour tout le monde. Mais en tout cas, merci Hortense pour cette contribution. J'espère effectivement, il s'agit d'un dossier de candidature qui peut être un peu laborieux, mais il a un but. Il s'agit de recueillir des informations sur votre situation, sur vos priorités. Pourquoi ? Pour que plus tard, on ne vous fasse pas perdre votre temps. C'est-à-dire que ce qui va être proposé au sein du réseau va se coller au plus près de ce que vous nous dites à l'occasion du dossier de candidature sont vos besoins et rien d'autre. On n'a pas, ce n'est pas une formation ou un cours où on va étudier les choses de manière théorique. Le principe du réseau, c'est de vous servir d'outils pour faire ce qu'on vous demande de faire, ce que le ministère de la Santé vous demande de faire, ce que votre employeur vous demande de faire, les objectifs que vous êtes fixés. Par exemple, si la couverture a baissé ces derniers mois, avec les craintes, avec les difficultés et les défis auxquels vous avez été confrontés, et on vous dit qu'il faut faire remonter la couverture. Mais comme l'a dit François Gasse, très souvent, on peut avoir les idées, la volonté, mais c'est dans l'exécution, c'est dans le savoir-faire, dans la réalisation, dans la mise en œuvre que ça passe ou ça casse. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Sékou Amadou Sangaré, c'est à vous. Sékou Amadou Sangaré, ou alors on va aller à Kambou Bodaré. Kambou Bodaré, est-ce que vous êtes en mesure de nous parler?
Sinon, on va aller à Itel A14. Itel A14, je ne vois que le nom de votre appareil. On vous écoute. Oui, moi c'est Médard. Hein. Bienvenue Médard, c'est à vous. Oui, j'ai beaucoup aimé, j'encourage les amis. Oui, 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 j'encourage les amis à s'épanouir dans cet outil qui va beaucoup les aider, bien que la connexion fait défaut et que dans des milieux pauvres ici, on s'accroche un peu avec des difficultés, mais qu'à cela ne tienne, les expériences des amis font à ce qu'ils puissent s'épanouir avec les outils AID qui va beaucoup les aider parce que ce sont des expériences de terrain qui est purement pratique et ce n'est pas de la théorie qui peut vous bombarder de la théorie même. Maintenant, c'est les expériences, les vécus même des expériences partagées sur le terrain qu'on a pu vécu. Et maintenant, on le fait pour partager avec les amis dans les réseaux pour qu'eux aussi, à leur tour, puissent aussi apprendre comment ils peuvent mettre aussi à profit telle expérience que les amis ont suggérée et comment ils peuvent aussi les aider aussi quand ils ont de telles difficultés, comment ils peuvent ça en a procuré. Voilà pourquoi je donne ces souhaits pour que les amis soient, ils peuvent aussi influencer leurs collègues de pouvoir adhérer dans cet outil pour que et aussi à leur tour puissent beaucoup apprendre de ces pratiques en ligne. Voilà un peu des mots que j'avais pour adresser à nos collègues, à nos amis qui me suivent. Merci beaucoup. Effectivement, pour tous ceux qui se posent la question, ça a l'air intéressant, mais il y a déjà voilà, il y a tant de candidats. Sachez que à partir du moment où vous exprimez, vous expliquez votre volonté, comment vous êtes impliqué, donc comment votre travail a été touché par le Covid-19, par la Covid-19. Comment est-ce que le service de vaccination auquel vous contribuez, voilà, quelles ont été les conséquences jusqu'ici de la pandémie pour vous? Et à partir du moment où vous faites ce travail donc pour déposer une candidature en bonne et due forme, eh bien vous aurez toute votre place au sein du réseau. Donc je vois par contre, il y a eu quelques questions. Alors de Igda Joël Oubéré, donc c'est Joël, faut-il que les fondateurs postulent encore? Alors pour les personnes... notamment les team leaders, hein, ceux qui ont été présents donc, pendant les réunions de préparation et de construction du réseau, eh bien, il est néanmoins indispensable pour vous de remplir le formulaire de candidature. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas une simple formalité, puisqu'on vise avec ce formulaire de recueillir des informations pour décrire la situation là où vous êtes. Donc pour décrire la situation, donc c'est plus sur le recueil d'informations, même si votre place en tant que team leader est déjà assurée à partir du moment, bien sûr, vous participez pleinement aux activités. Donc voilà un petit peu où nous en sommes. Il nous reste 8 minutes avant de clôturer cette séance, mais si cela vous laisse sur votre faim, vous avez peut-être besoin de temps pour découvrir hein, en quoi consiste ce réseau, pour mieux comprendre la démarche. Allez donc parcourir la page qui vous a été donnée. Et puis, consultez, prenez le temps donc, sur le dossier de candidature. Et avec Charlotte Mbou et d'autres membres de l'équipe, on va organiser donc un live sur Facebook comme celui-ci, mais ça sera beaucoup plus court, 15 minutes ou 30 minutes, chaque fois avec un invité, une invitée ou plusieurs qui seront soit des spécialistes donc impliqués donc dans la riposte Covid pour les services de vaccination ou des personnes, des praticiens de terrain dont l'expertise de terrain sera justement mérite d'être partagé. Ce que vous faites au quotidien est important. Et du coup, on fera chaque jour, à partir de lundi ou mardi prochain, chaque jour un petit bulletin, vraiment quelque chose de très court, parce qu'on sait que vous n'avez pas forcément le temps de passer, voilà, d'écouter. Mais on essaiera de faire en sorte que chaque fois qu'on vous retrouve sur Facebook, chaque fois que vous voyez une notification, vous savez que vous en avez pour 10-15 minutes. Et vous allez entendre quelque chose qui mérite d'être partagé. Une idée, une expérience, un exemple concret, ou alors un expert qui présente un nouveau document, une nouvelle ligne directrice, mais quelque chose de concret qui vise à être utile pour vous, praticiens, sur le terrain.
Alors, pour tous ceux et celles qui ont déjà déposé un dossier de candidature, vous n'avez pas besoin de déposer un dossier deux fois, ça c'est d'une, mais tout le monde doit quand même constituer sa candidature, même si vous faites partie des fondateurs, et la plupart l'ont fait. Ne loupez pas le coche, ça serait dommage d'avoir participé à créer ce dispositif, de se dire « bon, ben, j'ai déjà fait ma part, pourquoi est-ce que je remplirai le dossier ?» Cela ne marche pas comme ça. On a besoin donc de ce recueil d'informations. Alors, il reste très peu de temps, je vois... 7 fondateurs dans la salle qui sont prêts à prendre la parole. On va voir si Kambou Bodare est prêt. Kambou, est-ce que vous êtes là? Ok, alors on va, hop. Voilà, donc c'est à vous pour activer votre micro. Ouedraogo Ilyasa, est-ce que vous êtes là? Oui. Vous m'entendez? Oui, bonjour et bienvenue, mais vous avez du bruit en fond. On va essayer de suivre. Allez-y. Voilà. Bonjour à tout le monde. On vous reçoit 5 sur 5. Oui, c'est à vous. Il nous reste... Merci. Donc, je m'en vais pour répondre aux 3 questions. Pourquoi avez-vous raison d'entrer dans le réseau depuis la porte pour pouvoir perfectionner, avoir des expériences des uns et des autres sur la pandémie COVID-19 et savoir comment trouver d'autres expériences pour gérer les services de PEV. Deuxièmement, qu'attendez-vous maintenant du réseau? J'attends maintenant une participation active et partage maintenant d'expériences basées sur des faits réels du terrain. Que vous demande votre ministère de la Santé ou votre employé face au COVID-19? Ici, c'est également de mettre en œuvre les directives de surveillance et de prévention contre les mesures du COVID-19. Et quel est le défi maintenant, le plus grand défi que vous devez relever pour y prévenir? C'est réellement, c'est nous. C'est la surveillance communautaire qui est un élément très, très, très important. De prime abord, la surveillance passive maintenant est réalisée au niveau des services sanitaires. Mais la surveillance communautaire est très importante si on veut arriver à contrôler la pandémie. Là. Donc, c'est un élément que moi, j'attends beaucoup du réseau aussi. Comment, quelles sont les stratégies ensemble on peut mettre en œuvre pour que la surveillance communautaire soit effective pour pouvoir permettre même de juguler à temps même les problèmes là au sein de la communauté avant que ça n'arrive au niveau de la formation sanitaire ou bien atteindre même beaucoup de régions. Donc, c'est en même temps l'importance aussi de la surveillance à distance si au niveau communauté, on a des gens qui sont bien imprégnés, qui connaissent les définitions standards et simples maintenant qu'ils peuvent nous accompagner. Et à ce niveau, ça demande qu'on ait ce qu'on appelle maintenant un cahier d'alerte. Et le cahier de rumeurs, là, doit être un élément fondamental qui va nous permettre de savoir tout ce qui se passe maintenant au niveau des villages, là, pour pouvoir bien arriver à poser des actions au bon moment pour pouvoir gérer. Donc, à ce niveau... mon plus grand défi maintenant, c'est arriver maintenant à avoir des informations auprès de la communauté hein, à travers le cahier de rumeurs. Et pour y faire maintenant, il faut de maintenant du leadership au niveau des agents de santé pour pouvoir donner des définitions claires et simplifiées aux agents communautaires qui nous accompagnent, que ce soit les traités protégiens, pour pouvoir détecter les cas et nous donner par téléphone. Et c'est à ce niveau que nous aussi, on peut agir à temps pour pouvoir minimiser l'expansion maintenant de la maladie là. Donc l'élément important, c'est ce que moi je veux ici, c'est comment on va partager l'expérience pour que la communauté puisse nous accompagner dans les dénonciations ou maintenant dans les informations, dans les renseignements sur les faits qui se déroulent au niveau des villages. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ilyasa Ouedraogo. Alors, il nous reste tout juste une minute dans cette réunion et 14 jours, 08 heures au moment où on a
diffuser en direct cette séance. Donc, qui en fait est une réunion hebdomadaire. Le groupe des fondateurs, de ceux qui ont aidé à la construction du réseau Covid-19, se réunit chaque lundi depuis maintenant 12 ou 13 semaines, je crois. Et c'est ainsi que nous avons élaboré ce concept ensemble. Désolé pour Martine Abo qui a un véritable problème de connexion, mais l'enregistrement donc sera mis à disposition après. Pierre Hubert pose une question pratique sur les certificats. Alors, il n'y a pas de certification pour le fait d'avoir contribué à la construction du réseau. Les cofondateurs recevront un certificat particulier lorsqu'ils auront terminé le premier exercice, donc le premier exercice de la revue par les pairs. Donc, c'est ainsi qu'on reconnaîtra donc la contribution concrète des fondateurs. Et d'ores et déjà, ils sont automatiquement admis au réseau qu'ils ont contribué à créer, bien sûr. Alors, il y a de nombreux fondateurs dans la salle du réseau Covid-19 qui demandent encore la parole. Malheureusement, nous sommes à court de temps, mais j'ai une bonne nouvelle et c'est la suivante. Il y a donc à partir de lundi, il y aura un nouveau live donc d'une heure sur Facebook, donc où on complétera des informations et on aura déjà envoyé les premières lettres d'acceptation pour ceux et celles qui auront d'ores et déjà été sélectionnés pour rejoindre le réseau. Et mardi, mercredi, jeudi et vendredi, on aura des points d'information courts de 15 ou 20 minutes où on récapitulera ce qui se passe donc à quelques jours du lancement des premières activités du réseau Covid-19. Donc ça, c'est le programme cette semaine. On va peut-être déjà tester un peu les lives. Donc veillez sur notre page Facebook et sur la page Telegram qui permettra donc de suivre, de recevoir les informations avant toute autre personne. C'est en nous suivant sur les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette séance utile. Je remercie tous les fondateurs donc, qui ont répondu présent. Ils sont 135 dans la salle et on attend vos candidatures. Et surtout, une fois que vous avez déposé votre candidature, n'ayez crainte, partagez le réseau le plus nombreux. Il faut atteindre une masse critique de personnes pour que le réseau puisse peser. Si on est insuffisamment nombreux, on n'y arrivera pas. Donc voilà ce que je souhaite vous dire. Je vous souhaite une très très bonne semaine. À bientôt.